Premier sénateur Sidesla, Edwin Zeni, rend président sénat Simon de Soldera responsable blocage qui gagne dans signati accord qui sorti dans dialogue politique là. Selon parlementaire qui c'est bon ami président Michel Martelly, dirigeant tête calée a fait un pile sacrifice dans dossier la Cour des comptes là pour te permettre crise la résoudre, l'a accepté publier non 7 dans 10 moun grand corps te choisi yo. Edwin Zeni qui rappelait constitution a fait président Martelly obligation pour le bon fonctionnement institution yo, souligné tout la loi exigée pour tout monde qui a entré dans Cour des comptes yo gen diplôme contrairement à Jean Saye pour poste en coup président République là qui sorti dans élection. Sénateur Edwin Zeni a fixé position dans le micro Eddie Jackson Alexis et Colin Hildorest. Premièrement, je pense que le gouvernement ou plutôt la présidence font un gros pas. Parce que sur 45, je crois, le bail que j'ai demandé, je crois que c'est deux seulement qui mettent un bail sous lui. Et surtout sur les affaires qui sont sur les problèmes. Je pense que le président, encore une fois, fait un gros pas que tout le monde international et nous-mêmes, haïtiens, nous sommes. Et sur 10 personnes, il a publié 7 personnes. Et si il y a 3 personnes qui ont des dossiers qui passent, et le président de la République, c'est lui le garant de toute institution, de tout ce qui a marché dans le pays, hein, il n'est pas capable, monsieur, vle pour la baille des mounes. Qui n'a pas dit ou bien diplôme, il y a un problème, ou bien un problème pays, qui fait que diplôme, il y a un problème. Mais en attendant, diplôme, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, normalement, dans un pays organisé, dans un pays sérieux, ce que nous avons essayé de faire là, en un pays, vous mettez le pays dans un pays sérieux. Et les gens, c'est des gens pour la justice tendue, ouais, et côté, mais même tout. Nous avons couru pour un diplôme coché tout. Il t'a intéressé tout. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de diplôme. Je me suis coché tout, mais comme nous sommes honnêtes et nous sénateurs de la République, je n'ai pas de diplôme. Donc, je pense que ce n'est pas M. Damien seulement. Il y a une légèreté dans le Sénat. Et la légèreté, c'est tout sénateur et tout le monde qui a étudié le dossier et le monde qui fait que la légèreté a passé. Est-ce que vous avez bien avec le diplôme au sénateur Zeni? Ce n'est pas pour une interaction en justice contre l'État haïtien? Voilà, c'est ça que je dis. Je dis là, je dis que c'est deux cas. Premier cas, est-ce que c'est un problème pays qui gagne? Parce que le président de la République, nous sommes dans le débat, dans le dernier, et samedi, et le président de l'équipe, l'exécutif, a montré que tu as écrit l'université. L'université a dit qu'il n'y a pas de dossier de monde. Mais à quoi vient le dossier ça? C'est parce que le président a quitté tant de matériel de dégâts pour faire objection étant constitutionnel là tout. Oui, ben, ce sont les séquelles du sous-développement. Nous sommes capables, si nous faisons un état de droit, si nous faisons un paquet de bail, il y a un paquet de bail dans le pays qui est supposé faire, que le Sénat, que la Chambre des députés, que tout le monde qui fait entité de l'État, qui fait. Ah, mais c'est Samdou, oui. Ah, mais c'est Samdou, à qui la faute? Moi, je dis que c'est séquelles du sous-développement. Je dis aujourd'hui, hein, si vous me corrigez, et vous me corrigez. D'ailleurs, hier, samedi, je suis dans la fermeture et là, je dis que si vous avez 50 personnes dans le parti politique, 47 d'accord pour vous signer. Il n'y avait qu'un seul, un seul monde qui partait qui vous signer, c'était le président de la. Je comprends ça. Donc, même comme sénateur de la République, je ne vais pas adhérer à sa présidente. Je ne vais pas adhérer parce que. Et M. Pays a avancé. Je suis en premier lieu, je suis un commerçant, nous sommes sénateurs de la République, et pendant que je campé, il y a un monde qui a souffert dehors. D'ailleurs, tout ça fait partie de souffrance peuple partout, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup touché, il y a des emplois qui ont touché, nous-mêmes nous avons touché. Nous-mêmes, sénateurs, nous avons touché, mais la sécurité ne pas touché. Ouais, donc je pense que faut que le gars débat là bien. Et si le président a une bonne foi pour le sien, 7 personnes, et c'est-à-dire que le coup de la marche à 6 personnes là, donc, je pense que le président de bonne foi là. De bonne foi. Donc, si vous avez une question de trois mounes, vous êtes capable de chita ou de négocier. Proposition de sortie de crise, c'est qui ça? Bon, mais même pas proposition de sortie de crise. C'est pas, je me dis, population, il faut reconnaître que ça, il faut regarder trois mounes qui sont les météos. Parce que même pas de météos. Donc, qui est-ce qui est météo? Qui est dehors là? Dans trois mounes, qui est-ce qui est météo? Qui est-ce qui est météo? Ah, mais même si nous allons demander, vous me dire. Est-ce que ça a fait ça justifier ou pas? Non, si mon yo gen problème papier, c'est le premier bail là.
Mais qu'on y a m'dou, ça fait pas publier, ça fait pas accepter cette non. Regardez qui est-ce qui était. Si ce n'est pas, si c'est pas des poids lourds sénateurs opposition qui mettaient nos mounes. Est-ce que c'est pour ça qu'on a désigné Mounio et X, Y, Z sénateur à faire opposition, c'est ça? C'est pas question de dossier. Encore une fois, je vais répéter parce que moi, nous voulons canaliser de l'autre côté. Je vais répéter pour me dire que l'homme des fêtes commence là. Et excusez-moi, je t'ai dit en créole que Mounio a un problème papier. Nous faisons un débat sur lui. On nous dit. Que est-ce que c'est faute? Est-ce que la faute est à qui? Est-ce que faute à... Nous faisons débat. Nous ne pouvons pas retourner. Ça, c'est la deuxième phase. Première phase, c'est diplôme. Regardez, qui passe dans cette mounion là, c'est des mounions d'opposition qui mettent. On va bien citer nos mounions.